Monster, c'est Eddie de Galdan et on se retrouve pour l'épisode 9 de notre Let's Play sur Pokémon Extinction. Donc dans le dernier épisode, on a perdu Wesh, de toute façon on voulait le jeter mais c'est pas grave. Et là, on va tenter de venir vers Champrine, mais tout d'abord, on va tenter les Super Balls sur Amalos. Si, il veut bien se montrer. Malos, puis... Ah ça, lui aussi, il passe, j'avais dit. Donc, on va quand même tenter. Sacoche des familles, une petite balle. Même les Pokéballs, c'est plus fort sur lui, s'il te plaît. Oh non, Kéké est confus. Il ne pourra pas jeter la Pokéball. Mais what? D'accord. Genre, la Super Ball, il sort directement. La petite Pokéball de merde, il rentre. Bon, on a notre Pokémon, même s'il était plutôt faible, celui-là, c'était dommage. On l'appelait... Je cherche le F, je l'ai perdu. C'est W. Voilà. Le R, on va l'appeler Fire Tug. Au lieu de l'appeler Fire Lance. Parce que Fire. Fire Tug. Bienvenue dans la team des Tugs. Voilà. Bon, maintenant, équipe. Fire Tug ordre ici. Maintenant, ok, Fire Tug résume. Je vais voir tes attaques en fait. Vax, Psy, Dépit, Étonnement, Ant Folie. Allez, c'est parti! On a notre nouveau Pokémon Tug. Allons le tester sur le terrain. Bah, il est de type Spec, du coup, là, faut vraiment trouver des Pokémon de type normaux. Ce serait tellement marrant. Et maintenant, tu tomberas plus sur le chusmur. Fire Tug. Bon. Je teste d'abord Fire Tug, après on va là parce qu'il y a des gens, il m'a l'air plutôt sympa. Et du coup, ils me font peur. Tintin. Dans cette herbe, il n'y a rien. Je vais là, il n'y aura rien. Du coup, je vais là. Et il n'y aura rien. Du coup, je retourne là, il y a quelque chose. Ou pas. C'est pas grave. Voilà. Enfin. Tu as la musique de combat, c'est pas lancé. On est toujours ensemble depuis. Meurs, meurs, putain. Ah, 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 ah. Ah, ah, tu respectes, hein. Oula, c'est pas très la puissance, Zaxi. Il peut rien faire. Par contre, on a presque tout PP après. Voilà. Voilà, voilà. Ah, ça va, tu manques plutôt bien du coup, Fire Tug. Bon, ben, on l'a bien testé sur le terrain. On va chercher des amis. On a aidé à déblayer le passage avec les moyens du bord sans Pokémon. Même sans Pokémon Roche, la pierre ne me fait pas peur, d'accord. Te voilà, mon collègue m'a informé que tu arriverais bientôt. Voici l'entrée du passage, mais non, théoriquement, bien sûr, parce qu'après, on sait pas si ça peut te foutre dans le trou du cul du monde. Vers Champrine, ces hommes ont travaillé dur pour déblayer les gravats à la force de leur seul bras. En plus, il y a des déchets synthétiques partout, ce que les gens peuvent être irrespectueux de la nature. Les soignez tes Pokémon avant que tu continues. Bonne chance, ah ben sympa. Voilà. Ah merde, tu as gardé mes Pokémon. Le petit rappel des familles. On va à droite, toujours aller à droite. Cette réplique a été faite trop de fois. Non, vous pouvez aller à gauche aussi. Bon, ben. Cette fois-ci, on va dans sa fly. Finalement, on va partir. Tout le temps à gauche. Bon. Sauf là, parce qu'on peut pas aller à gauche. Ou sinon, c'est. Bonjour le mur, voilà. Un Fantominus sauvage apparaît. Bon, ben, du coup, Fire Tug. Je sais pas si ça va marcher. Oh, il s'est pris 4 fois plus cher. Paf, tu tombes comme une merde. Ouais, allez, Fire Tug, tu montes bientôt de niveau. Tintin, 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 qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, là, tous les chemins mènent au même endroit, du coup, voilà. En rush, cette grotte, je ne veux plus rester longtemps.
en statistique. Alors, bah, j'allais faire une blague de merde, mais non. Oh là là, fait pas beaucoup mal, mais bon. Utilise Vague Psy pour tenter. Voilà. Bon, techniquement, si. Ouais, c'est une attaque de type combat, donc ça m'affecte pas trop. On tient un truc sur les Pokémon de type combat là. Aïe. Voilà. La Fire Thug est au niveau 15. Bah, du coup, on l'a battu, du coup, voilà. Ferme la scène. Sa gauche. On en a plein de super potions. Continue dans cette grotte étrange. Bonjour la lave. Bonjour la potion. D'accord. Encore ce Pokémon, mais trop fort pour Fire Thug. C'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Il se fait plus mal tout seul que quand on le tape. Bah bravo Fire Thug. Les plus thugs que ça, tu peux pas mieux faire. Tu gagneras. Putain, ça va. Parce que s'il se tuerait tout seul dans sa confusion, ça aurait pas du tout fait crédible. Voilà, 146, tranquille, easy pony. Putain, mais il y a toute sa famille qui va m'agresser? Alors, comment dire que de base, c'est un fossile? Et que du coup, de base, c'est très dur de le choper. Et que du coup, je vais quand même l'attraper, parce que j'aime bien son évolution. Non, on va tenter étonnant, voir qu'est-ce que ça fait. D'accord. Critique, ouais, je me disais aussi. Maintenant, la petite vague psy, psy. Il me tuera pas avec une autre poursuite, c'est bon. De toute façon, on a plein de popos. Ça coche. Super boule. Et tu rentres ou je te mange. Ah voilà. Soit j'aurais lancé une Pokéball et tu serais forcément rentré. Ok. Lui, ça s'appelait. Allez. Rock Tug. On va tous avoir Tug dans le pseudo, ça va être n'importe quoi. Ah, on va quand même lui donner un vrai nom. Et lui mettre un condom. Non. On va faire un truc en yeah. Y, c'est où, simplement? Bélier. Voilà, à l'arrache. En écrivant des tags. Voilà. Et là, c'est une super potion. Ah non, une potion tout court. Ouais, ben ça servira sur Bélier, tu vois. Oh, j'ai 11 potions. Non, potion normale, moi je veux. Voilà. Oui. D'accord, le jeu. C'est bon, j'ai compris. Tintin. Et c'était un cul de sac, c'est génial ça. Firetug, à toi d'attaquer une branette. C'est pas grave, voilà, tu es. Il y a tous les bons Pokémon sympas ici, c'est méchant ça. Bon, il a pas d'évolution, du coup on va le tuer sauvagement. Ouais, vas-y. En folie. Voilà. Maintenant il nous respecte. On va pas partir loin comme ça. Et non, attends. Parce qu'après il aura plus de PP. Bon, on va quand même spammer étonnement du coup. Et dès que Firetug passe au niveau 16.
Non, FireTug. Oh la résistance. Ouh le max d'XP, vas-y. Reviens ici. Reviens ici, je veux te rebattre. D'accord. Moi j'aimerais bien le truc pour les pépés. Voilà. Et on reprend notre aventure dans la grotte des limbes. Oula, yes. Je suis arrivé dans le plus gros trou de sac du monde. Enfin, cul-de-sac, mais voilà. J'avais carrément oublié à ce moment-là, d'accord. Allez, la petite fermeture éclair des familles. Donc, en folie. Voilà. Et tu te tapes tout seul. Et voilà, on continue maintenant. Ah bah bravo FireTug! Si tu l'as peur encore une fois. Voilà. Il remeurt comme une merde. Et FireTug monte au niveau 16. Wow, toute l'XP du truc s'il te plaît. Bon, en même temps c'est normal, j'avais... Bon, FireTug va quand même rester un peu plus longtemps avant qu'on mette l'autre. Belle vieille. Bah du coup fallait bien aller par là, putain mais y'a que deux. Oh ok, un pain par, c'est vrai, par télépathie donc. Et qui aura été rempli, c'est de leur faute. Ouais, c'est mal fait du coup, voilà. Je dois veiller à ce que les volcans de l'île restent paisibles, c'est ma tâche. Zarbi, Zarbi, Zarbi. Mais que sont les Zarbi? Mais que sont les Zarbi qui me donnent ma force si destructive? Mais ce sont les arbres qui me donnent ma force destructive. Oh, toi, humain, des arbres sont partis, apeurés par les actes des membres de ta race de merde maudite que je vais niquer. Cherche-les, ramène-les ici, il me faut toute ma puissance, car cela va continuer et empirer. Dépêche-toi. Ah, je savais qu'il fallait jamais aller en haut. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est pas grave, on revient en haut. Voilà, il n'y a que des potions dans ce truc. Eh, tout va bien. Ouais, il n'en reste plus que 3 à trouver. Un méchant apparaît. FireTug. Utilise du... Mais t'as pas toujours de feu, c'est pas grave. Merde, on doit vite le tuer. Aïe, bon, en fait il a fait directement, d'accord, c'est plus rapide de faire ça comme ça. Ah, t'es raté. Voilà, voilà, voilà. Allez, au revoir. La petite potion des familles, allez. Bon, pour les pour le bien de l'épisode Tug, on va dire que c'est du shit. Voilà, donc j'ai donné du shit à FireTug. Ah donc oui, il est beaucoup mieux là. Et on continue. Non. Non, oui, non, oui, non, prout, caca. L'aspect Tug et aucune maturité. Là... Alors ça va être la Met. Étrange. Non, pas du tout, d'accord. Dis, ils doivent tourner autour des lacs de lave, mais non, pas du tout. Bonjour, je suis une fermeture éclair. Bon, tu connais la routine. La routine, j'allais dire. Voilà. Tu lui fais une folie, après tu l'étonnes. C'est super efficace. Après il se confie, il se tue tout seul. Non, il a réussi. First. Parce qu'après, et FireTag monte au niveau 17, tranquille. Attends, ça donne magazine. Je viens d'inventer un nouveau mot à la con. Ça donne beaucoup d'expérience, voilà. Parce que expérience, ça n'existe pas. Même en anglais.
Tin, tin, tin. Tin, tin. Oh, bonjour l'ami, comment ça va? Dans encore la routine, hein. Voilà, là t'es confus. Donc, tu m'as attaqué. Bon, on va avec psy parce que je suis gentil avec toi. Voilà. Et maintenant, on te tue. Parce que tu ne mérites pas de vie. Bon, ok, si tu veux te tuer tout seul, c'est ton choix. Lui donne pas beaucoup d'expérience, c'est nul. Je revois les autres. Bonjour. C'est moi où il était très bien caché, le Xarbri, voilà. Bonjour, je suis très bien caché. Personne ne me trouve. Bon, c'est où aller maintenant? Marche arrière. Tin, tin, tin. Je suis une boucle midi. Et je fais que tin, tin, tin. Bon. Tu connais les bails, voilà. La petite Antonie des familles. Donc après lui, il se fera tout seul. Et du coup, t'attaques le petit étonnement des familles. Après, il va se tuer tout seul. Bon. Après, tu vas le tuer tout seul. Voilà. Le fantôme, il sait KO. Le Fire Thug. Oh, il est plutôt bon. Un slogan de merde. Fire Thug. Il est plutôt bon. Bon, pourquoi je peux pas y aller là? Je sais pas où aller. Je m'en fous, je fais le tour. Alors. Non. Voilà. Parce que je t'aime pas trop, tu vois. Ça, c'est la faute d'un putain d'Entei. Bon, c'est les vacances, du coup, j'ai pas envie de faire des statistiques. Allez, salut! Après cette blague de merde, Eddie de Galdan se suicida dans les lames. Voilà, c'est par ici. J'étais y aller tout à l'heure, mais en fait, faut y retourner, c'est ça, hein. Merci le jeu. Ah ben merci, hein. Je viens d'en trouver trois, attends. Ah ok, c'est très bien programmé tout ça. Il fallait mettre une variable à chaque fois l'augmenter, mais ça ne reste plus que telle chose ou telle chose à trouver. En tout cas, j'ai tout trouvé. Du duvet attaque. Bon, et techniquement, là j'ai tout trouvé. À moins qu'il y en avait 4. Je crois qu'il y en a 4 en fait. Ouais, il y en a 4. Oui, il y en avait 4. Non, jamais. Voilà. Je veux pas chercher dans cette grotte. Jamais. Je ne chercherai jamais. Il doit être là en fait. C'est tout con, mais il doit être vraiment là. Là, je reviens beaucoup trop en arrière. Du chiant l'eau. Bon, il m'a un peu saoulé, du coup, on va quand même voir Entei à faire. Ah, oh, il me manque le Zarbri. Z. Il sert à rien parce que pas beaucoup de gens l'utilisent. Mais je le veux quand même. Et nous, on va devoir lui trouver. Bonjour. Allez. D'accord. Ce lieu ne sert strictement à rien. Attends, on peut passer? On va passer, allez. C'est génial. Tu veux pas entrer dans une Pokéball ou sinon? Je te promets, c'est un bon plan, tu vas voir. En plus, tu seras pas du tout séquestré, hein. T'inquiète, t'auras l'hôtel de luxe dedans. Des putes. Ça doit être bizarre, des putes pour les Pokémon. Bon, j'ai que des caraputes, encore faut que je fasse l'élevage. Faut attendre encore que Firelance arrive à lancer le jeu. Allez, un nouveau combat! C'est génial tout ça! Toi, t'as un trou, du coup je t'aime pas. C'était nul.
Je suis calme. Il ne faut pas faire de bruit pour attraper ces connards. Je suis déjà allé par la merde. Oui, donc je disais, il ne faut pas faire de bruit, ou sinon ces connards changent de place à chaque fois que tu refais la map. Putain, vous faites trop de bruit. Enfuis. La boucle midi, c'est. Tin, 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 pendant 4 heures. Ah, non, il y a une petite variante, c'est tout. Bouh, je fais peur. Bouh, je suis un thug de feu. Ce combat n'était pas du tout crédible. Il est trop loin en arrière, c'est ça? Méchant. Bon. Petit Fantominus, tu m'as saoulé. Je vais te tuer. En prenant la fuite, bien évidemment. Bah du coup, on continuera à la recherche de ce connard de Zerbri dans le prochain épisode. Donc, on se retrouve prochainement du coup. Et je vous dis... Bon. Et je vous dis... À très bientôt les hamsters. Ciao.